Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016. Cette fois, c'est la journée pour Power Hour. On va regarder un peu des nouvelles, si vous voulez bien. Vampiro. Oh, une nouvelle sur Brian Pillman. Brian Pillman on the rise. Some industry veterans reported that to be very high on Brian Pillman, while hardly a household name at the moment. Some of the biggest and most respected names in the industry have said that he is one of their picks to be a breakout star or in the next few years. Donc, Brian Pillman pourrait devenir une grosse vedette. Qui l'aurait cru? Main event, la WWF qui se répand lentement. Et broadcasting. On n'a pas été capable de... On n'a pas été capable de... Comment dirais-je? Créer un autre poste de télé ou d'aller plus loin dans notre broadcasting. On peut essayer une dernière fois. Dernière fois, là, après ça, je vous jure que je vous laisse tranquille avec ça. Filter... USA Network, TNT, TNN. C'est par exemple, j'essaie d'être avec HBO. Il faudrait que ce soit pour un nouveau show en fait. Pas facile, pas facile. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? Michael Hayes a encore des problèmes. Tommy Rich a des problèmes de morale. Terry Taylor. Z-Man n'est encore pas content. Regardez ça. Toujours triste. Z-Man est toujours triste. Rip Morgan, Mabel dans une semaine travaille avec nous autres. Fatou dans une semaine travaille avec nous. Ok. Donc là, pour le prochain show, on a dit... Écoutez, ça va être Clash of the Champions. Bientôt, bientôt, bientôt. Pre-booking. Eddie Guerrero et Hardbar contre les Fabulous Freebirds en main event du prochain show. Et pourquoi pas y aller immédiatement. On va être en Nouvelle-Angleterre. Là, tous ces gars-là sont pas disponibles. Donc, Dustin Rose, Dusty Rose, Chris Youngblood, Fatou, Lieutenant James O'Reilly, Mabel, Mark Youngblood, Mike Graham. Mike Graham est même pas là. Oh, il travaille ailleurs. Morris City Madman qui est blessé, Robert Gibson est blessé, Stan Hansen pas là, rehab pour Terry Taylor. Pour Tommy Rich, Terry Taylor peut faire des angles, mais il peut pas se battre. Donc, Locker Room Control. On va essayer pour la dernière fois un medal avec les Z-Men. Avec, faut que ce soit avec une souhait, avec Bob Eaton. Encore aucun effet. Dommage. Donc, fait un bout qu'on a pas eu un petit accident là, qui s'est passé. Là. Quoique, hein, je m'en plaindrai pas, mais. Notre main event, on peut déjà le mettre. Pre-booking. Je pense que les Freebirds méritent une victoire. On peut faire un combat de 12 minutes. Jimmy Jett va être notre referee. On a juste. Et Jody Hamilton qui va me booker ça. Jimmy Garvin va avoir la victoire sur Art Bar. Ils vont gagner en trichant. DQ Tated Win. Ok. On peut acheter un autre combat immédiatement. Attendez un peu là, par exemple, je vais juste regarder c'était quoi la carte de mon dernier show. Pour être sûr que j'utilise pas les mêmes gars. Owen Hart, Bobby Eaton, ça c'était bon. Sullivan, Blush Mandel contre Ranger Ross, c'était Marner, ça c'est bon. Z-Man qui a défendu. Little Larry là, va falloir faire attention parce que.
On est en train d'abuser de lui. Ok, prochain. Petite affaire. Petit combat. Petit combat. Pour avoir le gros chat. Le gros chat qui pourrait affronter. Le Big Cat contre Shane Douglas. Est-ce que ce serait un bon combat à mettre ça? Les débuts de Shane Douglas. Est-ce qu'on le fait gagner ou est-ce qu'on fait gagner le gros chat? Je pense que. Je sais pas trop, tu sais. Big Cat, là, c'est pas des gros skills. Il est average en Rumble. Il est pas très bon en technical ni en high flying. Mais il a une bonne présence. Il est correct. Mais on l'a poussé un petit peu. Moi, j'essaierais de le garder fort, pour vrai. Je ferais probablement gagner Big Cat dans un combat de 9 minutes. Ok. Frank Atkins qui va me booker ça. David Crockett. Le Big Cat va gagner parce qu'il est sur une, il est sur une montée. Avec une intervention de Alexandra York. Ok, ça serait un petit combat en bas. On peut maintenant faire. C'est de développer la rivalité entre Furnace Lafond et les Freebirds. Comment on pourrait faire ça? On fait ça une vidéo hype, un match announcement. Un vidéo pour. Ouais, je pense pas que c'est une bonne idée. Gardez ça simple. Blind beat down in ring. On a déjà eu un segment comme ça fait pas longtemps. Attack team and two enemies come, they attack until another team entrance and clean out to make the save. Ok, oh, c'est bon ça. Donc, on va faire. Doug Furnace et Lafond vont être dans le ring. Ils sont cotés sur leur entertainment, ça va pas être hot là ça. Michael Hayes et Jimmy Garvin vont arriver ensuite, vont attaquer avec un cheap shot Furnace et Lafond. Hardbar et Eddie Guerrero vont venir faire le save. Ça va durer 6 minutes. Ok, on va mettre ça down. Ça pourrait même être notre ouverture de show, ce segment. Ok. On peut essayer un autre tag team match. On pourrait faire lutter Lafond puis Furnace. Essayer de les remettre over parce que ça marche pas pantoute avec les segments. Fait qu'on peut essayer de les mettre over en les faisant se battre dans le ring. On pourrait affronter les Master Blasters. Excellent. Master Blaster Blade, Master Blaster Steel. On les a mis quand même assez over dernièrement. Fait que je me dis. Peut-être combat de 8 minutes. Là, ça va nous prendre un angle après. Mike Atkins encore avec David Crockett qui va me booker ça. Le victoire à la fond parce que son overness est absolument pitoyable. Notre loser va être Blade. Et voilà pour ça. Là, ça va nous prendre plus de segments. On pourrait essayer. Owen Hart, Bobby Eaton, je sais pas. On peut essayer quelque chose. C'est sûr qu'il faut pas qu'il parle trop. On pourrait faire parler Owen Hart par exemple. Lui, on peut essayer d'augmenter son entertainment stats.
Okay, participant 1 is being beaten down by 2 and 3 having been competing with one of them. Okay. Revenge attack. Ouais. Je vais essayer de quoi avec un manager. On s'est pas servi de woman encore. On pourrait avoir woman. Qui dit que Bobby Eaton et son nouveau poulain qui va l'amener à des sphères encore inégalées. Et ça, on mettrait ça peut-être ici. Je ferais peut-être de quoi pour la rivalité tag team. C'est à D+. Sauf Ron Simmons, tout le monde va bien dans cette rivalité-là. Pourquoi? Ok. T'es avec Ron Simmons, toi. Comment ça se fait qu'ils sont pas alliés ensemble? Je trouve ça tellement niaiseux. Ok. Ça, c'est à B-, à D-, C-. Ça, c'est une rivalité qui est quand même pas si mal. C-, Luger Sullivan. Luger Sullivan, faut faire quelque chose avec ça. Faut que ça augmente. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un worker, un cadre d'intérieur. Ok. Authority gets attacked. Bodyguard reveal. Ok, et là Luger qui fait le challenge officiel à Kevin Sullivan. Non, on sait déjà qu'il va la kick. J'ai pas le goût de me répéter. Là. Parce que j'ai déjà fait un segment avec Sullivan puis Arnold Schwarzenegger qui disait qu'il allait affronter Luger. On pourrait juste avoir une entrevue de Kevin Sullivan qui parle contre Luger. On fait de quoi de vraiment simple. Mais quand même d'assez long, peut-être 6 minutes. Contre Luger. Ça, je le mettrai peut-être ici. Il me reste 5 minutes à mettre. Je peux mettre un combat. Petit combat de 5 minutes. Notre ami El Gigante pourrait affronter quelqu'un. Bon, lui, niveau lutte, là, c'est pas top. Mais niveau popularité, ça a l'air de quand même aller bien. Si par exemple, je l'essayais. Je l'ai déjà mis contre Pat Rose, là, pas longtemps. Mettons contre Rip Morgan. Ce serait pas un grand combat, hein. Mais c'est pas grave, on continue de le mettre over, on va peut-être arriver à quelque chose avec lui, on est pas obligé de le faire lutter tout à un moment donné, ça se peut qu'on lui donne un autre rôle. Gigante qui gagne en 5 minutes. Le show est complet, donc je mettrai Gigante comme Rick Morgan avant le combat de la Can-Am Connection et des Master Blasters. Le show ouvre avec Lang, avec Guerrero et Hardbar qui viennent aider la Can-Am Connections. Big Cat contre Shane Douglas, Guerrero, Hardberg contre les Pre-Birds. Ok, on va regarder les lutteurs locaux qu'on a. On n'en a pas tant que ça disponible. Bad Crew. Ok, on va Bad Crew, c'est ça là. Enhancement Talent. Puis, pas beaucoup de lutteurs dispo. Mood Dog Cujo. Ok. On va essayer Mood Dog Cujo. Et on va regarder ça. On va mettre deux combats one-on-one en pre-show. Ouais, on peut mettre Cactus Jack contre le Mood Dog. Ça devrait être un bon combat en plus. Si les Mood Dog d'habitude c'est des brawlers. On peut regarder ces skills.
Correct en brawling. Ok. Il n'y a pas pire. Ça devrait être un bon combat en plus. Donc, Mike Atkins qui va booker. Jody Hamilton qui va booker ça. Cactus Jack qui va gagner facilement. Peut-être. Est-ce qu'on va être 8 minutes de pre-show? Ça va aider Cactus Jack. On s'en est presque pas servi. On s'en est juste servi dans une défaite. Il a blessé Terry Taylor. Puis ça avait vraiment. Bon, il y avait eu du heat pour ça en plus. Donc, maintenant, on va aller chercher. Comment s'appelait le gars qu'on a signé? Bad Crew Number 2. Bon, on a Jack Victory qui se bat. Le partenaire de Jack Victory se prend contre Rick Morgan. On peut essayer de mettre Jack Victory un peu over. On va le mettre dans un brawl. 6 minutes à peu près. Randy Anderson qui va booker ça. Dick the Bruiser. Et Jack Victory qui va gagner. Bon, en faisant ça, ce qu'on fait, c'est que bon, on met ça un gars comme Jack Victory qui est pas super. On va le mettre en bas d'ailleurs. Qui est pas super hot, qui gagne jamais rien. On va lui donner quelque chose en moins, c'est ça. Donc, en gros, je pense pas que ça va être un gros show. Par contre, on voit ça. Moi, je vois ça pour. On rend les Fabulous Freebirds plus crédibles en les faisant battre Guerrero et Hardbar. On essaye d'augmenter la qualité de la rivalité entre Sullivan et Luger en utilisant la force de Sullivan qui est sa présence puis son charisme. On continue de hyper un peu Big Cat parce que je pense qu'on pourrait faire quelque chose de hot avec lui. On utilise Woman pour rendre Bobby Eaton plus crédible. On rend la Can-Am Connection plus crédible en faisant affronter les Master Blasters qui étaient hot en ce moment, là, qui étaient quand même bien. El Gigante bat Rick Morgan. On continue d'élever El Gigante. Pour peut-être, moi je dis, c'est clair que ça s'enligne vers un heel turn. Guerrero Hardbar, le segment Guerrero Hardbar contre les Freebirds devrait être pas pire. La seule chose qui me fait peur, c'est que Lafond et Furnace sont ratés sur leur entertainment, puis ils n'en ont pas d'entertainment. Mais, puis nos deux combats de pre-show, ben c'est surtout, on aide Cactus Jack, puis on donne une free win à Jack Victory. Donc, tout ça c'est bon. C'est un show très très secondaire de toute façon, fait qu'on peut se permettre de faire ça. Si on a un C, ce serait génial, mais je pense qu'on va avoir quelque chose comme D+ pour le show. Attendez un peu. Faudrait que j'ajoute un angle de female, juste au cas où. Faudrait que je mette quelqu'un qui tire des t-shirts. Je pourrais mettre Missy Hyatt qui tire des t-shirts pendant 1 minute. Je peux me l'allonger un peu. Je mettrai ça là, avant le main event. Tiens. Donc voilà, comme ça on s'assure qu'on a une présence féminine. On a déjà Women, mais c'est pas grave, on prend pas de chance. Et on y va! Des moins pour Bad Crew contre Jack Victory, c'est quand même bien. Des moins de performance pour Bad Crew, c'est bien meilleur que celle de Jack Victory. Jack Victory a rien donné, puis Bad Crew augmente son performance skill. Ce Bad Crew serait-il un lutteur intéressant, beaucoup plus qu'un gars comme Jack Victory? Parce que je me rends compte que ce gars-là vaut rien. Il vaut pas un rond. On va peut-être essayer de le remplacer. Cactus Jack contre Moondog Cujo. On va chercher un D. C'est quand même vraiment bon. Une performance de D pour Cactus Jack, de E+ pour Moondog. Moondog augmente son performance, c'est pas vraiment grave. Excellent! Cactus Jack gagne avec un double arm DDT. Ça, c'est très bon. Ça, c'est comme dans la moyenne qu'on veut pour ce show-là. Donc, je suis vraiment, vraiment content. Notre segment d'ouverture. D+. Ok. Ben, c'est quand même bien. Je m'attendais à quelque chose comme ça parce que. C'est Furnace puis Lafond qui sont tellement faibles, tu sais, que. Et Guerrero augmente, améliore son acting avec ça, fait que c'est quand même bon. La foule a été plus hot. Doug Furnace, je savais pas trop quoi faire. Jimmy Garvin a bien paru. Et la rivalité avance, ça change pas le heat de rien. El Gigante contre Rick Morgan, E+. Oh my god, ok. C'est horrible. Fait que je sais pas pourquoi je m'entête à essayer de pousser Gigante, il est vraiment mauvais. Il faudrait que je le montre contre des lutteurs de plus haut niveau pour que ce soit meilleur. Ça l'a beaucoup refroidi la foule. Can-Am Connection contre les Master Blasters. D+, ok.
Lafond était meilleur que tout le monde dans le ring. Performance de C- pour Lafond, de D pour Foreigner. Les deux autres ont eu un D. C'est quand même bien, hein? La bonne Master Blaster Steel augmente son Rumble Skill. Fait que c'est Kevin Nash. Excellent. Ça, c'en est un là, qu'on va peut-être essayer de pousser un peu plus là, dans le futur. En fait, cette équipe-là a du potentiel des Master Blasters. On va essayer de leur trouver quelque chose d'intéressant. Mais là, on fait gagner la Can-Am Connection. La fond avec un Tiger Driver. Et c'est tout D+. Ok. Segment entre Bobby Eaton et Owen Hart, un D. Ok, on va être dans les D de moyenne. D pour Bitcat puis Shane Douglas. Les deux ont eu une performance de D. La gimmick de Shane Douglas de Nature Boy a été super populaire. Bitcat augmente son Rumble Skill, fait qu'il s'améliore un petit peu. Ok, ça va, ça va. Polly Dangerously était le manager de Bitcat pour le combat. Ok, non mais ça va bien Big Cat. Bon, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu mieux, mais D, c'est pas si pire que ça. L'entrevue de Sullivan. On va chercher un C. La foule a été un peu plus hot avec ce segment-là. Et la rivalité avance, mais ne gagne pas ou ne perd pas de hit. C+, pour Missy Hyatt qui tire des t-shirts dans la foule. Et notre main event va chercher un C. Donc, c'est notre meilleur combat de la soirée. La rivalité va gagner du heat entre les Freebirds puis Lafond et Furnace. Guerrero augmente son Rumble skill. Bon choix pour Eddie Guerrero parce qu'on augmente son acting puis son Rumble dans la même soirée. La foule a bien aimé. C, Guerrero a eu la meilleure performance, mais les autres ont toutes fait des C-. Quand même bien, hein? Ça fait un show qui va chercher un C- de ratings, puis ça, je suis content parce que je m'attendais à du D. Bon show! On fait avancer. Le problème, c'est que je pensais qu'on ferait augmenter la qualité de la rivalité entre Sullivan et Luger. Pas été capable. Pas été capable d'augmenter celle entre Eaton et Owen Hart. Mais j'ai réussi, tant bien. Mais j'ai aucune rivalité qui a baissé en Heat. Fait que juste pour ça, ça a vraiment été une bonne affaire, en fait. Je suis content de la tournure que ça a pris. Maintenant, ça va être le temps de notre gros show de 2 heures, notre dernier show avant notre gros événement, en fait. On va regarder d'abord Wrestling Challenger C, Power and Glory qui ont battu, se sont pris contre les Nasty Boys, puis le Warlord qui a affronté Tugboat. Regardez les nouvelles, Power Hour, NGPW, le main event, Justin Liger a affronté Koji Kanemoto, alors pour un A. Et AGPW, Steve Williams a battu Stan Hansen dans le main event. De nos lutteurs, les Renegades Warriors ont affronté Billy Black et Haruka Egan. Sergeant Bobby Parker s'est fait battre par Dynamite Kid. Et c'est pas mal ça. Pour les nouvelles, WCW Power Hour. Un show qui était décent mais pas spectaculaire pour le Wrestling Challenge. Le feedback était OK, et pour HPW, c'était fantastique. OK, là, je vais regarder quelque chose. Jack Victory, j'ai pas été impressionné. Il me donne moins de performance que Profile, Skills, Average, Below Average, Very Weak, Interesting, Strong. Je sais bien pas, hein. Est-ce qu'il y a un contrat written pour encore 1 an et 6 mois? Si je me dis release, c'est 4 286 $. Ok. C'est quoi? C'est chemistry personal. Ok. Physical. Ok, ça va. Il a pas l'air d'être ami avec personne. Si par exemple. Attends, je prends Jim Early. Il est ami du monde, lui. Ok.
OK. Donc, notre prochain show, notre notre World Championship Wrestling, notre dernier show avant le pay-per-view. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Si, par exemple... Barry Windham. Qui Barry Windham pourrait affronter? Lex Luger pourrait défendre son titre. Non, non, ça va être correct. Barry Windham devrait affronter un de ses quatre adversaires. Si je faisais un combat entre... Notre main event serait Barry Windham contre Rick Steiner. Que j'ai presque pas utilisé. Ça devrait être pas pire en plus. Ok. Là, voyons, quelqu'un qui m'a parlé, c'est Ben Brunette qui m'a parlé de faire peut-être un tournoi Young Lion. Je pense qu'on pourrait regarder qui pourrait être nos Young Lion. Donc des gars en gars de 30 ans qui pourraient être vraiment bons dans ce tournoi-là. Hardbar. Assurément. On va essayer de trouver des gars. Ça serait peut-être pour le mois prochain. On a Brad Armstrong qui est vraiment solide aussi. Puis Brian Pillman. C'est qui je dirais. On commencerait. Hardbar. Brad Armstrong. Brian Pillman. Ok, on save. Sûr de ça. Des gars en bas de 30 ans talentueux. Buddy Landell, ça c'est sûr qu'il pourrait faire partie de ça. Cactus Jack. Va quand même bien ses affaires. Dustin Rose, là, Dustin Rose, là, ça commence à être gossant son affaire. Pourquoi je l'ai pas, en fait? Il est on loan. Puis. La WWF l'utilise pas en tout en fait. On a Eddie Guerrero qui a 23 ans. Eddie Guerrero pourrait en faire partie. Johnny Ace. Eddie Guerrero, Johnny Ace et Owen Hart. Ça fait quand même, ça a de la gueule là. Ce tournoi là. Je crois qu'il y a beaucoup trop de face. J'ai pas assez de heal. Ensuite de ça, il y a Philippe Lafond. Philippe Lafond, Scotty the Body. Phil Lafond, Scotty the Body et qui j'ai mis? Shane Douglas. Beaucoup de face. Steve Austin assurément. Steven Regal assurément. Tracy Smothers. Oh, nice. Donc, on ajouterait Tracy Smothers, Steve Austin. Écoute, j'ai juste deux Steve Regal. J'ai seulement deux heals là-dedans, mais je pense que c'est pas grave. Ça devrait être quand même pas mal bon. Ensuite de ça. Bon. J'essaie de se trouver des gars qui pourraient remplacer certains. Lutteur, vraiment pas bon que j'ai dans ce roster. Miguel Perez Jr. qui est bon à Rumble. 2500 par mois.
ou 800$ par apparition. 2500$ par mois, c'est pas si cher que ça. Ça me ferait un bon heal à ajouter dans le bas de carte. Sinon. Max Payne. Ok. 2400$ par mois. Max Payne, c'est pas mauvais, mais c'est pas top non plus. Marcus Bagwell, j'aime la vie, je l'aime pas. Manny Fernandez, combien qu'il demande? Il manque quand même un peu d'argent, hein? Il manque quand même beaucoup de sous. J'essaie de se trouver des lutteurs de bas de carte, donc ils coûtent pas trop cher. Ludwig Borga. Oh god, ça c'en est un. Que j'aime beaucoup. À 1700$ par mois, il coûte rien en plus. Louis Piccoli. Ça c'est du pur jobber par exemple. Quoique si je vais chercher Miguel, ça me fait un gars qui est peut-être pas populaire. Comme on regarde ça, la popularité. Là. Il est populaire juste à Puerto Rico, par exemple. Ça veut dire qu'il va être vraiment en bas de la carte. Ici, personne ne connaît. Max Payne. Si je le signe, lui, pas super populaire non plus, mais il est en E. Il est peut-être... Il est strong en entertainment. Ok. Je te signe. Et quel âge? 29 ans. Il dit que il veut. I prefer to work out show. Not to work out show. Everything except out shows. Ok, pour ça. Et on va se faire une petite journée. Regardez ce qu'on a. On a Samu qui a pas signé. On a signé son partenaire Fatou. On va voir ce que ça va donner aussi. Ok, WS Superstars. T'as cherché un B. Million Dollar Man qui a battu Dusty Rhodes. Ça veut dire que Dusty Rhodes, il reste presque plus rien dans son contrat. Il va être à nous autres bientôt. Confrontation entre le Million Dollar Man et Dusty Rhodes. On va chercher un B moins. Our Foundation contre Orient Express. Et ça, blablabla. Fujinami a battu Kijimuto. Abdullah Butcher a battu Misawa dans le main event. Des nouvelles. Ron Harris on the rise. Ron Harris fired. Ok. Volador contre Rigo Mendoza. Ok. On va regarder qu'est-ce qu'on a ici. House Show Monitor. Ok. Donc on ne sait pas si Barry Windham et Luger ont pas une mauvaise ni une bonne. Chimie ensemble. Même chose contre les Z-Man puis Buddy Landell. Ok. Rob Van Dam qui nous joint officiellement. Robbie. Rob Van Dam qui s'en va au PP. Donc notre développement. Quand même beaucoup de talent. Chris Candido, Chris Jericho, Great Suzuki, Mike Awesome et Rob Van Dam qui sont dedans. Et on va avoir Mabel qui va s'y aller. Samu qui officialise le contrat avec la WCW. On a Max Payne qui attend. Samu Biff Wellington va être disponible demain. C'est donc la fin de notre épisode. On va regarder d'abord qui est nos franchise players. Ok, nos next big thing, ça n'a pas changé. Hot Prospect. Austin en tête de liste, Owen Hart, Regal, Dustin Rhodes, Brad Armstrong.
Who's hot? Michael Wall Street est toujours notre gars le plus hot. Luger, Ric Flair, El Gigante et Big Cat. Donc ces gars-là ont plein de momentum. Peut-être qu'ils pourraient faire un tag team. Big Cat, Big Gigante ou El Cat. Qui est pas hot? Tim Warner, Johnny Ace, Rip Morgan. Oui, ça va pas bien. Shane Douglas et Ranger Ross. Time Decline, ça c'est ces quatre-là. Hidden Gems, ça c'est les gars disponibles qu'on pourrait signer. Lance Storm, Arn Smiley, Brian Dollar, Sean Waltman. Lance Storm. C'est parce que si par exemple je le signais. Si je signais Lance Storm, par exemple. Quoi ça a l'air, là, ces stats? Average, average, strong. Ça, ça voudrait dire 1700. Ok. On va regarder dans nos lutteurs, là, ceux qui sont pas bons. Montrez-moi les... Ça, c'est tout open. Je suis prêt à me débarrasser du Motor City Madman. Ou... Non, pas Little Larry. Je l'aime trop, Little Larry. Jim Clunts, là. Ça, ça a rien donné, ça. On a Hardy Raid, que lui, ça s'en va bientôt. El Cubano. El Cubano est quand même bon. The Italian Stallion, Stan Hansen, Scott Armstrong, Robert Gibson, Riff Rogers, Ranger Ross. Ok, ok, ok. Il paye 900$ lui. Pour être sur mon show. Oh mon dieu. Mais j'en veux pas. Oh mon dieu. Oh, il y en a un qui veut pas que je m'en débarrasse. Ok. Rip Rogers, je m'en suis vraiment pas servi. Buddy Lee Parker, je peux jamais m'en servir, mais il est bon en Rumble. C'est James Earl Wright qui est pas bon dans rien. 100$ par show. On s'en est débarrassé d'un. On se débarrasse d'un pour en avoir un autre. Donc voilà pour ça. On va, quand on va se voir, ça va être pour notre gros show la prochaine fois. J'espère vous y voir. En attendant, passez une excellente soirée. On se voit une prochaine fois. Salut!